Alors, avant d'apprendre à faire les additions, on va bien apprendre à compter grâce à un petit jeu de pêche. Tu vas pêcher un petit poisson là-bas. Ah, quel numéro tu as pêché? C'est le petit poisson numéro 10. Est-ce que tu sais le remettre à sa place en face du bon numéro? Oui. Donc tu vas compter 2 anneaux. Bravo! Allez, on retourne à la pêche. Lequel tu vas avoir? Super. Un petit anneau. Allez, un autre petit poisson. Oh, direct. 6. Yes. Et tu comptes les petits anneaux? On retourne à la pêche. Attention. Ah, le bleu, qu'ils sont jolis ces petits poissons. 9. Oui. Super. Deux. Bravo! Ah, qu'est-ce qu'elle va pêcher, Maya? Le violet! Ah oui, là, ça fait beaucoup, beaucoup d'anneaux. À la pêche. À la pêche, au moule, moule, moule. Mais c'est pas des moules, c'est des poissons. Qu'est-ce que ça va être? Ah, le bleu ciel, c'est le numéro 4. Je cherche la plage. Je cherche la plage. Bravo. Oh. Tu mets les anneaux? Oui. Bravo! Allez, on retourne à la pêche. Non, c'est pas des moules. Non, c'est quoi? Des poissons. Ah! À la pêche au tout petit poisson. Le gris, c'est le numéro 8. Trois. 5, 6, 7, 8. Ah, le vert. Le vert, c'est le numéro 7. Yes. Yes. Et on compte les petits anneaux. Yes! Il reste plus que 2 petits poissons à pêcher. Maya vise le jaune. Ce joli jaune, c'est le numéro 5.
1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, petit poisson. Doucement, doucement. Ça tourne autour. Yes! C'est le numéro 3. Oups. 3. Bravo. Et les plus. Les plus. 4. Plus. 1. Égal. Alors, sous le 4, tu mets le bon nombre d'anneaux. Ok. Et sous le 1, tu mets le bon nombre d'anneaux. Donc au total, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors tu peux pêcher le petit poisson numéro 5. Oui. 5. 5. Tu mets le résultat? Là. Oui. Et tu mets le bon nombre d'anneaux? Donc si on vérifie, il y a bien le même nombre d'anneaux du côté là du égal que du côté là. Du côté là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté du égal, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Plus. Quoi? Égal. Tu mets le bon nombre d'anneaux sous le numéro 6? Et 3 anneaux sous le numéro 3. Quoi? Alors au total, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Alors tu peux pêcher le petit poisson numéro 9. Ouais. Donc si on recompte, de ce côté du égal, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et de ce côté du égal, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La même chose des deux côtés du égal. Bravo! 5 plus 10 égal. Alors, tu mets le bon nombre d'anneaux? Donc tu peux pêcher le petit poisson numéro 7. Ouais, le petit poisson numéro 7. 7. 7. Du côté là du égal, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du côté là du égal, on a bien le même nombre d'anneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo Maya! C'est écrit quoi? Attends, maman aime l'école. Oui, ça veut dire quoi? Je suis forte. Maman, je suis
C'est trop fort, les filles? Oui. Ciao, les filles.